Bon de travail pour un clavier numérique. Le code choisi est le dernier jour d'Harry. Sûrement le jour où Harry est parti en Europe. Diagnostic autonome terminé. Aucun risque détecté. Porte coupe-feu désenclenchée. Norman peut revenir d'une minute à l'autre. Il faut que je trouve le code de la porte. Dernier jour d'Harry. Harry disait que sa mère cuisinait tout le temps. D'ailleurs, ça m'étonnerait que Norman sache se servir d'une poêle. Norman a fermé à clé la chambre d'Harry. Il la veut intacte pour quand son fils reviendra d'Europe. Mais où a-t-il rangé la clé ? J'avais oublié ça. La famille Osborne a des armoiries. Et une devise, Pax in Bello, la paix dans la guerre. Il faut que je m'en souvienne si j'écris un bouquin là-dessus un jour. Salut papa. Je vais voir le docteur Michaels pour une dernière piqûre avant... avant le grand voyage. Et si tu me rejoins là-bas, tu peux me rapporter mon journal dans ma chambre ? Je voudrais prendre quelques notes le jour J. Enfin, voilà. Je le dis pas assez souvent, mais... Merci, papa. Pour tout ça. Je t'aime. Waouh, j'avais pas entendu la voix d'Harry depuis des lustres. Il a l'air tellement... épuisé. Pourvu que le journal soit toujours là. Je vais voir dans sa chambre. La chambre d'Harry. Mais c'est verrouillé. Je me demande où Norman a rangé la clé. La vache. On adorait venir ici se faire des films quand on était gamins, Peter et moi. Rien à voir avec le Queens. Marrant, pour Harry, c'était tout l'inverse. Il voulait toujours aller regarder des dessins animés sur la petite télé dans la cuisine de Tante May. J'étais tellement jalouse de la famille d'Harry, de tout ce bonheur. Enfin, comparé à moi et mon père. Mais tout a changé quand Emily est tombée malade. Regardez-moi ça. Norman qui étale sa réussite devant les invités. Une photo a été retirée. Je me demande ce qu'il y avait dessus. La mère d'Harry, Emily. On se moquait de lui parce qu'il la surnommait la plus jolie des mamans, mais il avait peut-être raison. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière le cadre. Bingo ! Ça doit être la clé de la chambre d'Harry. Pour Harry, ça, quand même. Pourquoi tu nous as pas dit que t'étais malade ? Des livres de droit. Harry veut devenir avocat spécialiste de l'environnement, comme sa mère.
Le journal d'Harry. Le dernier texte remonte au 18 juillet. Ça doit être ça, le code secret. Je dis juste que nous ne devons pas nous précipiter. Nous ? Vous, vous restez là ! Le sérum est prêt, et je vais en superviser la production ! Vous serez complètement exposé sans moi. Il semblerait que je sois aussi exposé avec vous. J'irai seul ! Fin de la discussion ! Gardez l'équipe 2 en stand-by. Je vais prendre l'air. Peter, le traitement de Norman est prêt. Il est en route pour le labo, tu peux le suivre ? Je me ferai forcément repérer. Sable s'est pris un double expresso ce matin. Six hommes sont en mode service secret ultra vénère. Ok, alors tiens-toi prêt. Je suis sur le point de trouver l'adresse. Je continue à couvrir le secteur. Je continue ma ronde. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'était ? J'ai dû halluciner. Ok, 18 juillet. Bingo.
C'est trop flippant. Il faut que je trouve l'adresse pour le souffle du diable. Il doit bien y avoir quelque chose d'utile dans cette pièce. C'est quoi ces machins? Des prototypes de grenades? Norman est dans un gros délire de savant fou. Wow, Norman remporte le concours de la plus belle carte. On dirait l'Upper West Side. On dirait que Norman surveille les déplacements du docteur Michaels. Trop malsain. Enfin, il y a une logique. Michaels est en charge du souffle du diable. On peut voir toutes les propriétés d'Oscorp. Je pensais pas qu'ils étaient autant implantés à New York. Les positions des troupes de sable. Elles sont déployées dans toute la ville. Je parie que je peux localiser le laboratoire secret avec tout ça. Ça doit être une propriété Oscorp avec une tonne d'agents de sable fréquentés par le docteur Michaels. Non, c'est juste une patrouille de sable. Aucune de ces patrouilles ne croise la route du docteur Michaels. Non, c'est juste une patrouille de sable. Donc, je dois chercher un bâtiment Oscorp lourdement gardé où se rend le docteur Michaels. Le docteur Michaels est entré dans ce bâtiment Oscorp. Mais personne ne monte la garde, donc c'est pas le bon. Un bâtiment Oscorp, mais sans Michaels et sans sable, au suivant. J'ai pas dû choisir les bonnes catégories. Si un lieu remplit les trois conditions, ça me donnera sans doute l'adresse du labo. Un bâtiment Oscorp, mais sans Michaels et sans sable, au suivant. Donc, je dois chercher un bâtiment Oscorp lourdement gardé où se rend le docteur Michaels. Ça colle pas. J'ai pas dû choisir les bonnes catégories. Un bâtiment Oscorp, mais sans Michaels et sans sable, au suivant. Aucune de ces patrouilles ne croise la route du docteur Michaels. Non, c'est juste une patrouille de sable. J'ai pas dû choisir les bonnes catégories. Si un lieu remplit les trois conditions, ça me donnera sans doute l'adresse du labo. Aucune de ces patrouilles ne croise la route du docteur Michaels. Un bâtiment Oscorp, mais sans Michaels et sans sable, au suivant. Norman Osborn, journal de recherche sur le GR-27. Le projet est en train de nous échapper. Le GR-27 est un remède, pas une maladie. Mais allez dire ça aux journalistes. Ils se sont emparés du surnom que lui ont donné les techniciens, le souffle du diable, et s'en servent pour semer la panique. Ils n'imaginent même pas son véritable potentiel. Il pourrait guérir le cancer, les maladies génétiques, les anomalies congénitales. En y travaillant encore, je sais qu'on peut le perfectionner. Au lieu de ça, je vais devoir passer les prochains mois à réparer les dégâts médiatiques. Quelle perte de temps. Le souffle et dossiers médicaux d'Harry et Emily. Le GR-27 a été mis au point pour les soigner. Le souffle du diable est un traitement raté pour la famille de Norman. Des araignées ? Norman essaye de reproduire les pouvoirs de Peter ou quoi ? Et les noms sur les cages ? Bio-électrokinésie ? Camouflage optique? Bon sang, qu'est-ce qu'il cherche à créer au juste? On dirait une carte de l'Upper West Side.
Non, c'est juste une patrouille de sable. Bravo, bravo, bravo. Bâtiments commerciaux. Docteur Strom, c'est pas un expert en robotique ? Et là, ça doit être l'équipe C. Cette bonne vieille équipe Alpha. Le laboratoire secret doit être entouré d'agents de sable. Je devrais recouper les patrouilles avec les bâtiments Oscorp. Waouh ! Tous ces bâtiments d'archives. Donc, je dois chercher un bâtiment Oscorp lourdement gardé où se rend le docteur... Cette bonne vieille équipe Alpha. Le laboratoire secret doit être entouré d'agents de sable. Si un lieu remplit les trois conditions, ça me donnera sans doute l'adresse du labo. Ça bouge pas chez le docteur Van Adder. Il doit plus être en ville. Le docteur Michaels dirige l'équipe du Souffle du Diable. S'il travaille sur un antisérum, il doit connaître le bon endroit. GR-27, c'est le nom de code du Souffle du Diable, Eureka! La 10e est cathédrale. Ce serait pas? Je le savais. 10e et cathédrale, le service des archives d'Oscorp. C'est l'endroit idéal pour planquer un laboratoire secret. GR-27, incident Martin Lee. Qu'est-ce que c'est? Moteur, ça tourne et action. Je serai juste à côté. Maintenant, détends-toi et laisse le médicament faire effet. Oui, je croyais que c'était une simple consultation. Le petit semblait prêt. Je vais l'aider. Non, arrête. C'est trop tard. Arrêtez ça. Arrête. Norman et Otto. À l'origine de tout ça, ils ont créé Lee. Il faut que je prenne ça. Quoi ? Non ! Qui est là ? Oh non. On a une intrusion, alerte maximum. Peter, j'ai trouvé l'adresse du labo. Et plein d'autres trucs. T'es à quelle distance ? Je suis pas loin, à 2 avenues. Tu me fais signe et je débarque. Super, reste dans les starting blocks. Centrale, au rapport. Rien à signaler.
signaler, Centrale. J'aurais bien besoin d'un café, moi. Faut que je m'occupe de ceux sur le balcon. Hey ! Chef, on l'a trouvé. Peter, t'es là ? Je suis à l'angle de l'aigle. MJ, ça va ? Ça ira dans quelques secondes. À l'angle nord-ouest. T'es prêt? Attends, fais pas ça! C'est trop tard! Vas-y! T'es vraiment cinglé! T'es incroyable! Tellement de trucs à intégrer. Harry malade, Norman, Ellie, et Docteur Octavius. Je sais. Tout est de ma faute. Change de disque un peu. C'est fini, Peter, t'es plus tout seul. Miles et moi, on prend soin de Fist. Toi, tu trouves Norman. Tu trouves le remède. Merci, partenaire. Il faut que je trouve cet antisérum et que j'arrange les choses. Il doit bien y avoir un moyen de contacter Lee et Otto. Je dois les convaincre de laisser tomber cette histoire de vengeance. Ils ont fait tellement de trucs bien pour l'humanité. Ils peuvent pas jeter tout ça aux orties juste pour Norman. Bon, Norman est parti chercher l'antisérum. Il faut que je prévienne Yuri. J'espère que les nouvelles sont bonnes. Oui. Oscorp vient de mettre au point un antisérum. On a un remède ? Dieu merci. Vous pensez qu'on peut le diffuser rapidement? Ouais, je verrai ça au labo. À l'angle de la 10e et cathédrale. Minute. On vient de me signaler un accident d'hélicoptère dans cette zone. Oh non. On dirait l'hélicoptère de Norman. Je voudrais bien vous envoyer des agents, mais je n'en ai aucun. Pas de soucis, je gère. Ce sera bientôt fini, promis.